Et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde est connecté. Nous sommes très heureux, très très heureux de vous réunir cet après-midi pour lancer officiellement la chaire Cyber Résilience des infrastructures numériques. Un grand merci d'être avec nous pour ces 2 heures. On est vraiment impatients de vous faire découvrir cette initiative et de pouvoir interagir avec vous. Comme vous avez pu le constater en visionnant le petit clip vidéo là qu'on vient de faire défiler, cette chaire fédère déjà de nombreux partenaires qu'on va inviter à intervenir d'ici quelques instants. Donc ça réunit à la fois des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le groupe Bordeaux INP, l'Université de Bordeaux et évidemment les composantes de formation et de recherche associées à ces établissements, l'école d'ingénieurs Ensermat MECA, laboratoire l'ABRI, également l'IMS, l'IMB et également 5 entreprises mécènes qui souhaitent faire avancer collectivement sur la problématique de la cyber-résilience, Advance, Beware Cyber Labs, Lecati, Synactive et Tetris. Avant de donner la parole à nos premiers intervenants, je tenais simplement à vous rappeler le déroulé de cet événement. Donc, on va commencer par un temps d'ouverture institutionnelle. Donc, je demanderai à Pierre Fabry d'ouvrir en tant que directeur de l'Ensermat MECA. Puis on invitera Marc Falipou, directeur général du groupe Bordeaux INP, à nous dire un petit mot en ouverture. Xavier Blanc prendra la parole en qualité de directeur du laboratoire bordelais de recherche en informatique, le LABRI. Voilà, avant de vous présenter la chaire, hein, c'est Toufik Ahmed qui la présentera. Il nous semblait important de rappeler le contexte de l'état des menaces et des risques en matière de cybersécurité. Et pour cela, nous sommes ravis d'accueillir Olivier Graal, qui interviendra au nom de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Toufik Ahmed, donc, qui est le coordinateur de cette chaire, vous présentera un petit peu l'ambition du projet, la manière dont le projet va être mis en œuvre sur les 5 prochaines années. Voilà. Puis nous inviterons Michel Dubarry, président de la Fondation Bordeaux Université, à dire quelques mots sur les projets qu'on peut accompagner avant de donner la parole aux 5 représentants des entreprises mécènes. Voilà, Michel, je ne sais pas si vous êtes déjà avec nous, mais je compterai aussi sur vous pour lancer un appel auprès des entreprises, des autres entreprises présentes, afin qu'elles nous rejoignent sur cette belle aventure. Voilà, donc on donnera ensuite la parole à Advance, Beware Cyber Labs, Lecati, Synactive et Tetris. Puis nous aurons un temps d'échange le plus long possible, je l'espère, on a prévu du temps, avec vous, le public, vous aurez donc la possibilité d'interagir avec nous en direct après ces différentes interventions, et dans l'immédiat, on vous incite évidemment à adresser vos questions, vos commentaires au fil de l'eau, directement sur le chat, et on y répondra avec grand plaisir tout à l'heure.
Voilà. Et pour clôturer ce lancement, on aura le plaisir d'accueillir un représentant donc, de la région Nouvelle-Aquitaine, Yann Pennec, en qualité de directeur de la délégation numérique donc, pour le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Et il aura l'occasion de réaliser un bref point d'avancement de la feuille de route cybersécurité de la région. Voilà pour la présentation du programme. Je vous propose de donner la parole sans plus attendre à Pierre Fabry, directeur de l'ENSERM Matmeca. Merci Adrien. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous le grand plaisir et la grande fierté que j'ai de participer à ce lancement de cette chaire Cyber Résilience. Je vais commencer par donner un coup de chapeau et faire un grand merci à la Fondation Université de Bordeaux et à Toufic qui a lancé ce projet. Il faut dire que, au niveau de l'école, la problématique de la cybersécurité et cyber-résilience est déjà au programme de nos formations depuis quelques années déjà, avec en particulier la labellisation par l'ANSSI d'une option de troisième année, justement opérée par Toufic. Vous pensez bien que ce qu'il faut surtout, les collègues qu'il faut surtout remercier, c'est bien entendu les partenaires de cette chaire que je salue ici et que je vais lister très rapidement. Alors, je vais commencer par Advance, qui a été le premier pure player français de la cybersécurité. Il faut également remercier Beavoir Labs, qui est une start-up bordelaise très impliquée dans les formations de l'école. Le CATI, bien sûr, que nous avons le plaisir d'accueillir dans nos locaux dans le cadre des entreprises hébergées et qui jouent un rôle, je dirais, tout à fait important dans la formation de nos élèves ingénieurs, en particulier, mais pas seulement, par l'accueil des stagiaires. Bien entendu, il ne faut pas oublier Synactive, qui est une société récente, enfin récente, fondée en 2012, une société spécialisée en cybersécurité par les experts du domaine. Je terminerai par une mention spéciale pour Tetris, dont le directeur est Laurent Houdot, qui est un membre important de notre conseil d'école. Et vraiment, un grand merci à vous tous d'être partenaires de cette chaire qui va nous permettre, en particulier, de développer les enseignements sur cette thématique et faire profiter nos élèves ingénieurs de votre expertise. Donc, merci encore. J'ai promis à Toufik de ne pas être trop long. Donc, merci Adrien, merci à la Fondation Université de Bordeaux, merci Toufik. Merci Pierre, merci d'avoir respecté le timing, c'est parfait. Et j'espère que le prochain événement de la chaire cyber pourra se faire dans votre bel amphithéâtre de l'ENSERM Matmeca, comme on a pu le faire pour une autre chaire. Avec un pot adéquat dans l'espace ingénieur, car toute manifestation de ce type demande ce moment, je dirais, de convivialité. Évidemment. Sans plus attendre, je vais demander à Marc Falipou
de nous dire quelques mots en qualité de directeur général du groupe Bordeaux INP. Merci Adrien. Donc effectivement, moi aussi comme Pierre, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour le lancement de cette chaire Cyber-résilience des infrastructures numériques, donc qui a été portée par l'Inserman MECA en partenariat avec l'Université de Bordeaux, en partenariat évidemment avec 5 entreprises fondatrices et puis avec l'appui de la Fondation pour sa mise en œuvre. Donc, je vais juste rappeler que la mise en place de chaires dans les différentes écoles de Bordeaux INP, ça fait partie de la politique de l'établissement. Ça valorise le rôle des formations d'ingénieurs, parce que les ingénieurs sont positionnés vraiment à l'interface entre à la fois le milieu académique, c'est-à-dire la science, la technologie, et puis les besoins de la société, donc les besoins des entreprises, des collectivités ou des citoyens. Et donc, c'est à la fois notre positionnement en termes de formation, on cherche à faire, comme ça a été dit, des formations professionnalisantes, tournées vers les besoins des entreprises, vers les filières industrielles, et aussi le positionnement de notre recherche, qui a une forte dimension partenariale et transfert de technologie. Donc, au niveau global de l'établissement, on a un certain nombre de chaires comme ça qui sont portées par les différentes écoles. Donc, si je rappelle les plus visibles peut-être des derniers mois ou des dernières années, on a une chaire qui est portée par la Fondation aussi avec Sanofi pour le NSTBB. On a une chaire en mobilité et transport intelligent déjà portée aussi par la Fondation avec l'Inserman MECA. On a une chaire IBM autour de l'intelligence artificielle avec le NSC qui est la seule en France qui a mis en place IBM pour l'instant. Voilà, donc ça illustre le dynamisme des écoles dans cette relation privilégiée qu'elles entretiennent avec les entreprises. Donc maintenant, si je veux focaliser un peu sur le sujet d'aujourd'hui, qui est la mise en place de cette chaire autour de la cybersécurité par l'Inserman MECA, bon, je ne vais pas rappeler l'importance du sujet, hein. Il n'y a qu'à lire la presse ou regarder les réseaux sociaux, et de plus en plus la thématique de la cybersécurité, avec ses enjeux économiques, ses enjeux de souveraineté, devient prégnante. L'Inserman MECA n'a pas attendu cette ébullition médiatique récente, et l'Inserman MECA s'est mobilisé depuis plusieurs années sur cette thématique cybersécurité. Comme ça a été dit par Pierre, l'option RSR, l'option de troisième année RSR cybersécurité, a été labellisée par l'ANSI sur le label SecNumEdu dans la première vague. C'est une des premières formations niveau Bac plus 5 qui a été labellisée dès 2016, donc il y a déjà 5 ans. Voilà. Et puis la chaire telle qu'on va la voir aujourd'hui, Toufik nous la présentera, est exemplaire de la relation privilégiée qu'on peut avoir avec l'écosystème parce qu'elle touche à tous nos métiers. Elle touche à la fois la dimension formation, on a parlé de l'option RSR, mais l'école met en place, là, à la rentrée, un diplôme d'établissement expert cybersécurité qu'on a validé au dernier conseil d'administration et qui est adossé à cette chaire. Elle touche des projets de recherche, donc elle va aussi toucher la dimension recherche et la dimension transfert de technologie, avec en particulier la mise en place d'une plateforme de cyberentraînement qui permettra aussi de transférer aux entreprises et partenaires le savoir-faire. Voilà, je conclurai en remerciant moi aussi l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ce projet. Donc, je remercie l'Inserman MECA qui, en tant qu'école, s'est emparée de ce sujet des chaires, puisque c'est la deuxième chaire que met en place l'école. Toufik, bien sûr, le porteur du projet, mais aussi les autres personnels, enseignants ou personnels BIAT, qui ont contribué à la mise en place de cette chaire. Je remercie la Fondation pour son soutien dans cette mise en place, et bien entendu, les entreprises mécènes. Donc, je vais les reciter. Donc, Advance, Blueware Cyberlab, Cathy, Synactive et puis Tetris qui est notre partenaire historique sur cette thématique au sein de l'école. Voilà, merci à tous et bonne cérémonie de lancement. Merci beaucoup Marc pour ces propos introductifs et pour votre soutien à ces lancements de chaire. On va demander à Xavier Blanc, directeur du laboratoire bordelais de recherche en informatique, le LABRI, dire quelques mots avant de donner la parole aux représentants de l'ANSI. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureux d'être là pour célébrer ce lancement de cette chaire. Donc, Marc et Pierre l'ont déjà dit, hein, la cybersécurité et plus particulièrement la cyber-résilience, hein, c'est important. C'est aussi un domaine central de l'informatique. C'est un sujet critique au niveau sociétal, hein. Marc l'a rappelé, qui n'a pas regardé la presse, voir ces attaques qui paralysent les entreprises ou même les hôpitaux. On voit bien, hein, l'enjeu national que ce domaine englobe. La cyber-résilience est d'actualité et il faut être prêt pour les grands rendez-vous de demain. Ça nécessite une recherche importante qui implique laboratoires et sociétés, entreprises, industrielles. Et c'est l'objet de cette chaire qui est portée par Toufik. Alors, je vais plutôt parler du côté recherche.
La recherche dans ce domaine, ben, ça fait plusieurs années, c'est une longue histoire. Alors, la petite anecdote, c'est que j'ai regardé les articles de Toufik. Alors, j'aurais pu faire ça avec d'autres porteurs du projet, enfin, d'autres acteurs du projet. J'ai trouvé un papier de 2004 de Toufik, protection des flux audiovisuels MP4 transportés sur Internet. Vous voyez que ça date. En 2004, déjà, Toufik écrivait un papier dans ce domaine. Alors, bon, on ne parlait pas de cybersécurité, encore moins de cyber-résilience. Néanmoins, l'objet de cet article, c'était de faire en sorte que la qualité de service, on regarde des flux vidéo, que la qualité de service ne se dégrade pas trop et qu'on puisse assurer une qualité de visualisation. Donc, on est presque dans la cyber-résilience. Bien sûr, depuis ces années, il y a eu bien d'autres travaux. Le sujet est devenu bien plus critique. Mais voilà, juste pour souligner le fait qu'on a des chercheurs qui sont bien dans le thème. Donc, remercions ces chercheurs. Là, il y a Toufik, mais aussi Francine Krief qui est là, il y a Mohamed Mosba, il y a Denis Bartou, il y a Laurent Réveillère. Au niveau du Labri, on est structuré en 5 départements. Vous avez là des chercheurs qui appartiennent à 3 départements, système et données, modèles et méthodes formelles, et Satanas pour tout ce qui est système à haute performance. Alors, le démarrage officiel d'une chaire, c'est un événement important pour le Labri, pour l'INP et pour l'Université de Bordeaux que je représente aujourd'hui. C'est un double moment. C'est l'aboutissement d'un énorme travail de préparation et c'est le commencement d'une belle aventure. Alors, au nom du Labri et de l'Université de Bordeaux, donc, je tiens donc bien sûr à remercier la Fondation de Bordeaux, l'Université, et bien sûr à tirer mon chapeau à Toufik qui a porté cette initiative, à Francine, à Mohamed, à Denis, à Laurent, à mes collègues qui sont très actifs dans ce domaine, qui réalisent tous une recherche exceptionnelle, excellente. On a des termes importants consacrés. Il faut remercier surtout les entreprises sponsors, donc Advance, Viewers Events, Locati, Synaptic et Tetris. Cet équilibre entre chercheurs et entreprises est importante dans ce domaine. Les acteurs qui sont rassemblés ici laissent présager des résultats excellents. Donc, je dis bravo à tout le monde et puis vivement la suite. Je vous passe la parole. Merci. Merci Xavier Blanc pour cette intervention au nom du Labri et de l'Université de Bordeaux. C'était important, effectivement, je pense, de citer également les collègues de Toufik qui sont impliqués sur cette chaire et qui ont participé au comité de pilotage qu'on vient juste d'organiser avant de faire ce lancement officiel. Et donc, on va enchaîner donc sur le temps, je dirais, de conférence. Et pour ce temps de conférence, il me semblait intéressant, voilà, de revenir des enjeux, du contexte. Et pour cela, on est ravis d'accueillir Olivier Graal, qui est délégué sécurité numérique à la région Nouvelle-Aquitaine pour l'opérateur Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. J'ai cru comprendre que vous avez publié assez récemment votre rapport d'activité 2020, dans lequel vous faites état des nouvelles tendances sur la menace. J'espère que voilà, vous aurez l'occasion de nous en dire quelques mots. Voilà, en tout cas, Monsieur Graal, la parole est à vous. Je pense que normalement, Toufik a activé le partage pour que vous puissiez partager votre présentation. Je vais départager la mienne. Je le ferai a cappella. Voilà, donc merci déjà de m'avoir invité. C'est un sujet effectivement qui est plus que d'actualité. On l'a vu, il y a énormément de communication faite par les médias et malheureusement des situations assez critiques vécues ces derniers mois. Donc il est vital effectivement que ensemble on travaille pour construire les nouveaux outils qui nous permettront de mieux gérer ce risque cyber qui est croissant d'année en année. Déjà, je tenais à remercier Toufik pour son travail et toute l'équipe, puisque la genèse de cette chaire a été longue. C'est un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on est vraiment ravis qu'on puisse enfin lancer le projet. Et c'est vrai que l'ANSSI et mes collègues et moi-même sommes extrêmement intéressés par le travail initié, puisqu'il va tout à fait dans le sens de l'amélioration de la sécurité de nos entreprises. Et j'espère qu'on va réussir effectivement à faire venir d'autres entreprises au sein de la chaire pour vous accompagner et partager ce savoir-faire vraiment intéressant.
Donc, il vous a pas échappé effectivement qu'il y avait eu une forte recrudescence ces derniers mois de la cyberattaque, qui est principalement liée à la situation Covid, mais pas que. Donc, je vais rapidement recamper un petit peu la situation. On a d'un côté des cyberattaquants qui augmentent de jour en jour pour une raison simple, c'est que il est nettement moins dangereux d'attaquer les gens par le monde virtuel que de l'attaquer par le monde physique. Donc, il y a effectivement énormément de mafias, entre autres, qui redoublent d'activité parce que la cyberattaque et notamment le ransomware sont extrêmement lucratifs. Et puis d'autre part, on a une augmentation importante de la surface d'attaque, puisque la transformation numérique que l'on vit actuellement est en train de changer complètement tout notre écosystème, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et c'est là où effectivement il était vital que la région se mobilise, et cette chaire donc de cyber qui est un signal fort pour la région Nouvelle-Aquitaine, j'espère va participer à la remontée du niveau de conscience des personnes du risque cyber. Le constat fait donc ces dernières semaines est alors à la fois inquiétant mais rassurant, puisque on a vu une très très forte augmentation des attaques cyber. Alors dans un premier temps, après la première vague de Covid, il y a eu une campagne massive de phishing qui a été liée malheureusement au télétravail principalement, c'est-à-dire qu'on a dû revoir nos façons de travailler ces derniers mois et externaliser dans l'urgence des postes de travail qui ont malheureusement amené à multiplier les vulnérabilités au niveau des systèmes d'information à la fois des administrations et des entreprises. Et donc ça a créé un appel d'air pour les cyberattaquants qui ont profité de l'aubaine pour multiplier les campagnes de phishing et infiltrer nos réseaux. Et le constat, c'est que quelques mois plus tard, donc à partir de début janvier, il y a eu une campagne massive de ransomware. Alors pourquoi un tel retard? Parce que nos amis cyberattaquants ont un petit peu changé leur méthodologie d'attaque. Ils ne se contentent plus de lancer des attaques automatiques. Ils cartographient nos systèmes d'information, s'infiltrent durablement dans les systèmes, analysent, quantifient, exfiltrent de la donnée. Et une fois qu'ils ont compris là où ils sont, ils adaptent leurs objectifs en fonction de la cible. Et donc, on a une professionnalisation, ou plutôt une spécialisation des attaques et des effets assez dévastateurs, avec en plus, malheureusement, des signaux assez forts pour motiver nos amis cyberattaquants du côté de certains pays étrangers qui, malheureusement, continuent à payer notamment les rançons. Donc, on l'a vu, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité aux États-Unis, mais il y a eu notamment une compagnie de pipeline qui a été victime d'une cyberattaque. Bon, il y a eu des hôpitaux également. Et malheureusement, les Américains, mais pas que, ont la fâcheuse tendance à payer les rançons, ce qui incite par nature les cyberattaquants à recommencer, en sachant que du coup, on s'est retrouvé en France avec des attaques, notamment sur les hôpitaux, massives. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, il y a eu deux attaques publiques. Donc, on en a parlé dans la presse, l'hôpital de Dax, l'hôpital de Laurent. Il y a eu d'autres centres hospitaliers qui ont été concernés par ce type d'attaque, avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc ça, c'est le côté négatif aussi, malheureusement. Pour être un petit peu plus positif, cette recrudescence des attaques et cette forte communication des médias ont relevé le niveau de conscience. Je reviens à l'instant d'une conférence sur Agen et j'ai eu l'agréable surprise de voir que la salle était remplie de sociétés cette fois-ci, de chefs d'entreprise,
qui effectivement s'intéressent au sujet, ce qui est assez novateur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les conférences que l'on organisait, on avait principalement des spécialistes du numérique, donc des DSI, des RSSI, rarement des chefs d'entreprise, rarement des DAF. Donc on voyait bien que le sujet cyber restait cantonné au monde de l'informatique et avait du mal à se décloisonner et avait du mal à être appréhendé par les chefs d'entreprise qui ne comprenaient pas l'enjeu. Puisque l'enjeu de la cybercriminalité, c'est malheureusement le fonctionnement des entreprises et des collectivités. Car quand vous êtes victime, vous êtes fortement impacté. Et on l'a vu sur la région Nouvelle-Aquitaine, il y a, d'après mes sources, pratiquement une entreprise sur deux qui a été victime ces 12 derniers mois d'une attaque cyber, ou en tout cas d'une tentative, et avec malheureusement des succès dans certains très belles ETI, avec des pertes financières très lourdes. Donc je ne peux pas vous donner de nom, mais j'ai des ETI locales, connues, avec des factures de plusieurs millions d'euros liées à la rupture de la chaîne de production, à l'immobilisation des systèmes d'information et du coup à l'incapacité à livrer et honorer les contrats avec leurs fournisseurs ou leurs prestataires ou leurs clients. Donc il y a, je pense, une prise de conscience assez récente des chefs d'entreprise et une amélioration et une volonté, en tout cas, de comprendre et d'essayer de corriger le tir. Et en parallèle, je profite de cette tribune pour vous parler un petit peu de ce qui se passe sur notre territoire et plus largement sur donc la France. On a, avec l'ANSSI, mis en place dans le cadre du plan de relance des actions et on a essayé de chercher des partenaires locaux. Et donc Yann Pennec, je pense, en parlera tout à l'heure. La région Nouvelle-Aquitaine se positionne comme précurseur des futurs dispositifs qui vont être mis en place dans chaque région pour accompagner à la fois les collectivités territoriales et à la fois les PME et stimuler l'écosystème local pour sensibiliser, former, innover, parce que l'innovation est vraiment un sujet extrêmement intéressant, et accessoirement, faire de la cyber une force et arrêter de subir. L'intérêt, effectivement, pour nous, c'est de générer de la valeur. Et j'ai à cœur d'aider effectivement les entreprises locales à essayer de valoriser leur savoir-faire pour qu'on se réapproprie des champs entiers de la technologie. Et c'est là où la chaire a tout son sens, puisque on va pouvoir travailler ensemble sur des nouveaux modèles, innover et essayer de prendre ces innovations pour les porter dans des entreprises et générer de la valeur ajoutée et de l'emploi, accessoirement. Donc il y a un vrai intérêt économique à valoriser les initiatives universitaires et les chaires cyber pour créer de la valeur ajoutée et créer un nouvel écosystème et se réapproprier des technologies qui malheureusement avaient eu tendance ces 20 dernières années à partir à l'étranger. C'est-à-dire qu'on avait des fleurons industriels qui malheureusement ont disparu. Il est urgent que l'on reprenne la main et qu'on reviennent à un peu plus de souveraineté et de maîtrise de nos écosystèmes et des outils que l'on utilise pour sécuriser nos entreprises et nos administrations. Donc je ne vais pas monopoliser la parole aujourd'hui parce qu'il y a, d'autres personnes qui ont plein de choses à nous raconter aujourd'hui, mais je pense que cette première action universitaire, j'espère, va être suivie de plein d'autres actions au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. On a la chance d'avoir un écosystème qui est et des acteurs locaux qui s'entendent bien et qui travaillent ensemble. Charge à nous de maintenir ce climat de confiance et d'accompagner la chaire et les actions de la région Nouvelle-Aquitaine avec la jeunesse du campus cyber vers donc un élargissement du dispositif pour permettre à toutes les initiatives locales d'être valorisées et de développer donc notre économie et notre résilience.
et je vous rends la main sur ces bonnes paroles. Adrien. Merci Toufik, désolé, j'étais en train de remercier Monsieur Graal pour cet état des menaces et des risques, et en tout cas, on peut aussi se réjouir qu'il y ait autant d'entreprises qui soient actuellement connectées et de toute taille, et effectivement, c'est la preuve que de plus en plus d'entre elles sont conscientes de l'état de ces risques et menaces et sont prêtes à investir pour pouvoir protéger leur système d'information. Eh bien, je vous propose qu'on passe donc à la prochaine intervention qui va être donc assurée par le coordinateur scientifique de la chaire cyber-résilience des infrastructures numériques, Toufik Ahmed. Toufik, tu es directeur de recherche de l'innovation et de transfert à l'ENSERM-MATMECA, donc qui fait partie du groupe Bordeaux INP. Donc tu es enseignant-chercheur et tu es également membre du LABRI et tu coordonnes cette chaire. À toi la parole. Merci beaucoup Adrien, merci à tous les participants connectés aujourd'hui dans cette chaire. Donc bonjour à toutes et à tous. Je peux commencer pour dire, chers collègues, chers invités, bienvenue dans la présentation du projet scientifique de la chaire et je vous remercie pour votre présence. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Toufik Ahmed, professeur des universités à l'Inter-Matmica, Bordeaux INP et chercheur au LABRI, Laboratoire Bordelais aux Recherches en Informatique. Donc, le LABRI, c'est une unité mixte de recherche, une UMR, comme on dit dans le jargon de CNRS, qui est pilotée par le CNRS, l'Inter-Matmica, Bordeaux INP et l'Université de Bordeaux. Pour commencer, je remercie Olivier Graal pour cette introduction importante qui pose vraiment le contexte de nos travaux et qui rappelle l'importance de la protection et de la résilience dans ce contexte. Je suis donc très heureux de vous présenter les contours de ce projet scientifique de chaire d'excellence formation-recherche autour de notre thème, le thème de cyber-résilience des infrastructures numériques face aux menaces de cybersécurité. Si je reviens en arrière, les prémices de ce projet ont débuté il y a maintenant pratiquement 3 ans. Donc, et durant ces 3 dernières années, nous avons œuvré pour réunir une équipe de partenaires de qualité et qui nous accompagne dans nos travaux, formation, recherche et transfert. Aujourd'hui, cet événement symbolise le lancement de la chaire et acte le début de cette étape importante de début de nos travaux. Donc voilà, sans trop tarder, donc, je vais vous présenter les contours de ce projet. Donc la chaire Cyber Résilience a pour ambition donc, de construire et de structurer un réseau de partenaires académiques et d'entreprises pour stimuler le développement de la formation, la recherche, de l'innovation et de transfert dans le domaine de la cybersécurité et plus particulièrement dans le domaine de la cyber résilience. Il s'agit pour nous donc de rapprocher, de regrouper les efforts et les moyens pour atteindre une masse critique, pour aborder divers besoins scientifiques et techniques et de générer des collaborations donc importantes, des collaborations inédites qui s'articulent autour de 4 grands thèmes, 4 grands axes. Premier thème, c'est le développement de la formation. Donc, pour répondre aux déficits en termes d'experts dans le domaine de la cybersécurité. Le deuxième thème, c'est le développement de la recherche par la production de connaissances nouvelles par le biais de la recherche applicative ou de la recherche finalisée. Le troisième thème, c'est la création d'un environnement favorable au transfert de technologies, donc et à la valorisation, à l'innovation. Et enfin, donc, le quatrième thème, c'est assurer une communication efficace qui met en valeur le potentiel des acteurs impliqués dans cette chaire et qui permet d'ouvrir des horizons nouveaux en termes de conseils, en termes d'expertise, par exemple. Alors, les acteurs qui nous accompagnent dans cette chaire, comme je l'ai dit, donc, la chaire elle est portée par les deux établissements, donc Bordeaux INP et l'Inter-Matmica, l'Université de Bordeaux, opérée donc par la Fondation de Bordeaux Université, en partenariat avec les cinq entreprises qui nous accompagnent dans la création de ces travaux, ce projet,
que je remercie énormément dans leur implication. Donc, il s'agit donc de l'entreprise Advance, Beware Cyber Labs, Leucati, Synactive et Tetris. Donc, je remercie vraiment l'ensemble de ces acteurs pour leur engagement et leur investissement auprès de nous dans la réalisation des travaux de cette chaire. J'ai souhaité rappeler rapidement donc le mode de gouvernance pour donner une vision globale du mode de fonctionnement. Il s'agit pour nous, donc c'est un projet d'intérêt général. Il est important de rappeler que cette chaire s'inscrit dans le cadre du mécénat d'entreprise qui apporte, donc les entreprises qui apportent leurs compétences professionnelles et techniques et qui participent au financement des projets et qui participent à des actions que j'ai citées, donc les quatre grands thèmes, formation, recherche, transfert et expertise. Pas loin que tout à l'heure, on a discuté au sein du comité de pilotage de l'ensemble des actions qu'on va essayer de développer, du plan d'action et les personnes qu'on va essayer de nommer dans le comité scientifique et dans le comité pédagogique pour mener à bien nos actions. Alors, Olivier l'a très bien rappelé, je vais essayer de partir de ce que vient de dire Olivier Graal sur la surface d'attaque, sur l'état actuel de la menace. Donc, comme il a été rappelé, donc, notre environnement numérique, nos réseaux, nos systèmes d'information sont en constante évolution et des nouvelles menaces prolifèrent rapidement dans cet environnement hyper connecté. Le premier point que je vais essayer de citer, c'est que la surface d'attaque qui est constituée par les nombreux points de vulnérabilité potentielle pouvant être utilisés par les attaquants, elle est en constante évolution et elle augmente. Donc, avec l'émergence de l'IoT, des objets connectés, avec l'arrivée de l'industrie 4.0, l'avènement des véhicules connectés, les véhicules autonomes, la massification de télétravail à cause de la crise sanitaire, par exemple, tout ceci font que la surface d'attaque, elle devient de plus en plus importante, très difficile à cerner et très difficile à protéger. Et en même temps que la surface d'attaque augmente, le nombre de vulnérabilités, il devient important. Et donc, on constate donc, tous les jours, chaque semaine qui passe, que de nouvelles vulnérabilités sont apparues, que ce soit dans les protocoles réseau, dans les protocoles de communication, dans les systèmes d'exploitation, dans les applications métiers, sur les sites web, dans les interfaces de programmation, les API. Sans oublier, bien sûr, les vulnérabilités physiques. Lorsqu'on a face à nous un objet connecté IoT, une caméra connectée, on peut la décrocher, on peut l'ouvrir et on peut décortiquer le code, on peut décortiquer les composants bas niveau. Donc ça, c'est important. Le troisième point, c'est que les attaques sont devenues très sophistiquées grâce à la disponibilité de plusieurs technologies donc, qui profitent bien sûr aux attaquants. Hein, donc l'IA, machine learning, apprentissage automatique, ce n'est pas seulement pour faire avancer nos process, mais c'est aussi pour faire avancer les attaques. Et donc dans ce domaine, les attaquants profitent de cette avancée technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle et le traitement de données massives. Ça a été rappelé aussi, l'impact il devient retentissant, donc l'impact des attaques est de plus en plus important, il provoque d'importantes interruptions de services, de vols de données, de demandes de rançon logiciel. Certaines entreprises, ils ont mis la clé sous la porte parce qu'ils tout simplement, ils ont perdu le jour au lendemain leur patrimoine numérique. Et face à ça, l'autre facette, on a une pénurie d'experts en matière de cybersécurité, parce que le marché est très tendu et on constate vraiment que les entreprises peinent à recruter et la vision de la résilience et la vision de cybersécurité, elle est très importante pour l'entreprise pour assurer leur continuité de service. Ça a été aussi rappelé, la prise de conscience croissante, donc c'est un point très positif. Donc on constate donc, que tout le monde sait qu'il y a une urgence de se protéger, il y a une urgence de se doter de systèmes de protection, il y a une urgence de bâtir des entreprises résilientes, car en matière d'informatique, en matière de cybersécurité, le risque zéro n'existe pas. Et partant de ce constat, comment atteindre la cyberrésilience?
On va essayer de se mettre dans la peau d'un attaquant. Donc, l'attaquant, tout simplement, il dispose d'un avantage naturel par rapport à celui qui veut protéger son infrastructure numérique. Tout simplement parce que la surface d'attaque, si vous l'analysez, la surface d'attaque, elle est statique. Qui dit surface d'attaque statique, il est très simple d'implémenter des mécanismes de reconnaissance et de collecte d'indices sur quelque chose qui est statique, qui n'est pas dynamique, qui n'est pas en mouvement. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que l'attaquant, il a tout le loisir, tout le temps nécessaire pour faire de la reconnaissance, et le temps pour préparer son attaque est presque illimité. Et l'attaquant n'a besoin de trouver qu'un seul point de vulnérabilité pour pouvoir accéder, pénétrer un système et nos infrastructures, alors que celui qui protège, il doit protéger la totalité de sa surface. Okay? Donc ça, c'est un point important. Donc protection vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi protection vis-à-vis de l'intérieur. De plus, donc l'attaquant a la possibilité de découvrir ce qu'on appelle les vulnérabilités zero day, c'est-à-dire des vulnérabilités qui ne sont pas encore corrigées, qui ne sont pas encore patchées, et d'exploiter des configurations défaillantes ou des erreurs humaines ou autre chose. Devant vous, vous avez donc ce qu'on appelle la kill chain, donc ce sont les étapes utilisées par les attaquants pour atteindre la cible. Nous avons essayé de modéliser la même chose pour atteindre la cyber-résilience. Et pour nous, atteindre la cyber-résilience nécessite une convergence des process, une convergence des technologies, une convergence des personnes, et travailler pour atteindre des mécanismes systémiques qui conjuguent, bien sûr, des mécanismes scientifiques et techniques d'automatisation de gestion d'infrastructure. Ça, c'est un point important. Et aussi converger avec l'appréhension et la gestion et la gouvernance de risques cyber dans une démarche unifiée qui permet d'appréhender correctement la menace de cybersécurité. Atteindre la cyber-résilience passe par plusieurs phases, des phases préventives, des phases détectives, des phases réactives, de la formation du personnel, de la sensibilisation et de la réponse automatique. Et peut-être notre valeur ajoutée dans la chaire cyber-résilience et dans nos travaux, s'inscrit dans les réponses automatiques. Et je vais essayer tout à l'heure de vous donner un aperçu de ce qu'on compte faire. Dans ce cadre-là, donc, pour atteindre nos objectifs de cette cyber-résilience, on va essayer de chercher un certain nombre de caractéristiques. La première caractéristique qu'on va essayer de chercher, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que la cyber-résilience se caractérise par une exécution d'un certain nombre de tâches de manière automatique, dans un contexte, on parle de tâches de gestion. En anglais, dans le domaine de gestion des réseaux, on parle de FCAPS. FCAPS, c'est la gestion des fautes, la gestion des configurations, la gestion d'administration, la gestion des performances et la gestion de la sécurité. 5 points. Dans cet environnement numérique, donc, on cherche à atteindre l'autonomie, c'est-à-dire sans guidage constant de la part d'un administrateur. Et là, les RSSI qui sont connectés peut-être, ils vont être ravis d'avoir de la réponse automatique et des mécanismes qui vont faire du fault management, du configuration management, etc. etc. Bien sûr, les différents paramètres qu'on va essayer de chercher et les règles de haut niveau qu'on va essayer de chercher de gestion de ce réseau s'ajustent de manière automatique pour contrer l'attaque. Il s'agit par exemple de confiner une partie du réseau, déconnecter les passerelles, assurer une scalabilité dynamique des ressources. On parle d'adaptabilité, d'élasticité. On peut imaginer qu'à l'entrée du réseau, on peut avoir un équilibreur de charge, un load balancer qui s'ajuste dans les ressources, s'ajuste dynamiquement en fonction de l'intensité du trafic qui rentre. C'est-à-dire que s'il y a une attaque de type DDoS, le load balancer, pour ne pas tomber, il s'ajuste automatiquement et il peut absorber du trafic important, le trafic qui peut filtrer, jeter à la poubelle et accepter le trafic légitime. Bien sûr, l'apport de l'apprentissage automatique est très important parce qu'on cherche à améliorer la résilience au fur et à mesure de la disponibilité des données, au fur et à mesure de l'acquisition de l'expérience. 4e point, donc l'agilité.
grâce à la cloudification des infrastructures numériques, grâce à l'arrivée des concepts nouveaux. On parle de la virtualisation du réseau, on parle du contrôle de réseau par logiciel, des paradigmes nouveaux, SDN, NFV, Edge Computing, Cloud Computing, etc. Il est ainsi devenu donc possible de représenter le réseau en tant qu'instance logicielle, instance programmable, déployable, contrôlable facilement. Et bien sûr, ça mène à un point important, c'est que nos services, nos réseaux peuvent être délivrés en tant que service. Everything as a service. Donc, on parle de microservices, on parle d'infrastructures fournies en tant que service, on parle de réseaux virtuels fournis en tant que service, slicing du réseau, on parle de tranchage de réseau, etc. Et donc, on arrive actuellement dans un contexte où il est possible de démarrer des instances de réseau virtuel, les arrêter, les démarrer, les arrêter, les déplacer. Donc, on est dans des infrastructures dynamiques et donc la surface d'attaque, elle devient dynamique et non plus statique. En dernier lieu, donc il y a un modèle qui est vraiment important pour nous. Tout à l'heure, Olivier parlait de la confiance. Le modèle qui prévaut pour nous, c'est le modèle Zero Trust, qui conjugue l'ensemble des caractéristiques précédentes où on considère que la confiance en elle-même est une vulnérabilité et qu'il est difficile, voire impossible, de maintenir une sécurité si on se protège seulement de l'extérieur, tel qu'un château fort. On bâtit des grandes murailles entourées de douves, mais qu'est-ce qui se passe si on laisse passer un cheval de Troie? Qu'est-ce qui se passe si demain le vizir il veut devenir un calife? Il faut se protéger aussi bien de l'intérieur et pouvoir implémenter ce modèle de type qu'on appelle le Zero Trust. Et le rêve, bien sûr, le rêve, c'est d'arriver au modèle Zero Touch Network. Zero Touch Network, c'est ce modèle qui conjugue l'ensemble des actions précédentes et qui permet d'atteindre des mécanismes de déploiement, de configuration, de monitoring, démarrer, arrêter, scale up, scale down, upgrade, tout ça de manière automatique, le réseau et les applications pour atteindre l'auto-configuration, l'auto-optimisation et l'auto-réparation. C'est vraiment donc le rêve de tout administrateur réseau de construire sa topologie une fois pour toutes et cette topologie, elle s'adapte automatiquement et elle s'ajuste. Maintenant que les bases de ces travaux donc, sont posées, je vais reprendre les quatre thèmes, rappelez-vous, que j'ai présentés au départ, donc formation, recherche, transfert et la partie conseil expertise. Et conseil expertise, merci Adrien. Et je vais essayer donc de développer nos actions. Donc le premier point, donc c'est le point formation. Comme ça a été dit, donc pour répondre aux besoins et de manque d'experts dans le domaine de la cybersécurité et les difficultés constatées de recrutement, nous avons donc travaillé récemment avec les mécènes, avec les acteurs, avec les partenaires, et nous avons donc ouvert un diplôme d'établissement intitulé donc expert cybersécurité des infrastructures numériques. C'est une formation accélérée pour ceux qui souhaitent acquérir des nouvelles compétences, compléter leurs compétences en matière de cybersécurité. Elle se déroule à raison de 3 jours par mois sur 6 mois, 144 heures. Et si on décrypte pourquoi on est parti sur ce modèle, parce que tout simplement, on constate qu'il existe un certain nombre de freins qui ont été identifiés, plusieurs raisons qui nous ont incités à démarrer rapidement ce DU. Le premier point, c'est que le domaine de cybersécurité, c'est un domaine très technique qui nécessite des compétences très pointues et cela engendre parfois des incompréhensions entre l'offre entreprise et la demande salariale. C'est pour ça donc ce DU s'adresse à ceux qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences en matière de cybersécurité. On a constaté aussi que pour devenir expert en cybersécurité, il faut passer par des cursus de formation très lents, car il faut se former au métier de base informatique pour scripter, analyser le réseau, administrer les services, configurer, gérer les fautes, etc., tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et que aussi le panorama de métier est très riche et varié, car il existe donc un grand lot de métiers dédiés à la cybersécurité, depuis la gestion du projet cyber au déploiement, à la programmation sécurisée.
Et la réglementation actuelle aussi, elle impose un certain nombre de contraintes. Et c'est pour ça qu'il y a une tension forte dans le domaine de recrutement. Alors, l'EDU, donc, il s'appelle donc Expert Cybersécurité des Infrastructures Numériques. Il est structuré en trois unités d'enseignement: gouvernance, gestion des risques et conformité, audit de sécurité de sécurité technique et entraînement de cybersécurité. Et la formation, elle est complètement animée par les partenaires de la chaire Cyber Résilience. Et nous recrutons au sein de ce DU. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez retrouver les informations de ce DU et je vous invite à nous contacter dès que possible. Alors, nous avons aussi dans notre projet, si le DU fonctionne bien, la création d'un autre DU, cette fois-ci orienté sécurité des objets connectés, sécurité de l'IoT, sécurité de machine à machine, communication machine à machine, exemple dans le cadre de l'industrie 4.0, c'est très important, sécurité des systèmes embarqués, avant donc de converger, pourquoi pas, vers l'ouverture d'une nouvelle filière de formation ou dédoublement d'une filière de formation actuellement disponible à l'Informatica, qui s'appelle donc Réseau et Systèmes d'information, qui est une filière par l'apprentissage et l'alternance, qui forme actuellement que 24 apprentis qui deviennent diplômés ingénieurs réseau et systèmes d'information au bout de 3 ans. Sur le deuxième volet, donc là ici, je vais essayer de vous montrer un peu les thématiques de nos travaux de recherche pour produire des connaissances nouvelles par la recherche. On s'est intéressé ces dernières années vraiment à l'évolution des infrastructures numériques et des systèmes d'information, car depuis quelques années, nos architectures de systèmes d'information migrent des architectures monolithiques classiques vers des architectures plus flexibles qui permettent de fournir les réseaux et les services en tant que services, notamment grâce à la convergence vers le cloud, grâce à la virtualisation, où on a donc dans les architectures traditionnelles, les entreprises managées et déployées l'ensemble de ces applications, du plus le réseau, le stockage, les serveurs, la virtualisation déployées en prémisse. Maintenant, on peut les éclater en quelques fonctionnalités qui sont managées à l'extérieur et quelques fonctionnalités managées en interne. On parle de infrastructure as a service, IaaS, on parle de plateforme as a service, PaaS, on parle de software as a service, SaaS. Et donc, tout ceci peut être implémenté, que ce soit dans des clouds publics, dans des clouds privés en interne, en prémisse, ou dans des clouds hybrides. Et donc, je pense personnellement que le modèle qui va s'imposer les prochaines années, c'est le modèle hybride, dans lequel il y a une partie des process qui sont gérés dans des clouds publics et une partie des process qui sont gérés dans des clouds privés. Et nos applications, nos services migrent aussi vers des architectures plus légères à base de virtualisation, à base de microservices. Les microservices, donc on peut, comme je l'ai dit, on peut les ajuster, on peut les scaler, on peut les adapter, on peut les déployer dans des conteneurs, dans des machines virtuelles. Les process de type DevOps, DevSecOps, c'est des personnes qu'on essaye aussi de former, qui maîtrisent toute la chaîne de bout en bout, depuis le déploiement jusqu'au développement, jusqu'au déploiement, en passant par les étapes de sécurisation. Tout ceci pour cibler les applications métiers de type Smart City, intelligence artificielle, car connecté, industrie 4.0, etc., etc. Comme vous le savez, donc, il y a aussi un découplage qui est en train de s'opérer. Les middle box, les middle box tels que les routeurs, les DPI, les pare-feux, etc., qu'on fournit en tant qu'appliance, où on a le software et le hardware fournis ensemble, comme je l'ai dit, grâce à cette migration, sont en train d'être virtualisés et il est possible actuellement de déployer sur des serveurs génériques de type x86, des fonctionnalités virtuelles. On parle de virtuel deep packet inspection, virtuel router, virtuel firewall, virtuel one gateway, etc. Tout ceci managé, orchestré par des logiciels qui vont déployer l'infrastructure.
c'est ça la puissance actuellement, et c'est ça la puissance de cette migration des infrastructures numériques vers des modèles dynamiques et virtualisés. Et c'est ça qui va nous aider à atteindre cette cyber-résilience. L'orchestration et l'automation, donc l'automatisation des process, est très important parce qu'on va pouvoir donc automatiser le déploiement de l'infrastructure depuis la conception au déploiement en fonctionnalité, et on va pouvoir automatiser le déploiement des services, parce que ce qu'il nous faut, c'est les services qu'on offre à l'utilisateur final, donc depuis la conception au déploiement en fonctionnalité, tout ceci grâce à des mécanismes intelligents qu'on déploie, des mécanismes de type instanciation, déploiement, correction des erreurs, le failover, la gestion de la scalabilité, donc comment dimensionner les services automatiquement, comment migrer les services d'un serveur vers un autre, d'un serveur on-premise vers un serveur du cloud, comment assurer l'orchestration globale dans un contexte. Et là, donc, l'apport de l'IA et l'apport de l'expertise humaine est très important. On parle de IA process, human in the loop, l'expertise humaine et l'IA pour atteindre le FCAPS dont j'ai cité tout à l'heure, le Fault Management, Configuration Management, la gestion d'administration, performance et de la sécurité. Voilà donc rapidement le contexte de nos travaux de recherche. Donc, si je vous perds un peu, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et dans ce contexte-là, il est très important d'aller vers la résilience, et il est nécessaire de restructurer les architectures et les infrastructures réseau pour atteindre cette résilience. Et nous avons récemment introduit un concept nouveau qui s'appelle le concept de la diversité et de la redondance. On a un travail de recherche d'ailleurs avec Mohamed, le modèle qui s'appelle donc N plus P, et dans ce modèle, la diversité avec le paramètre N consiste à l'instanciation des fonctionnalités virtuelles sur des nœuds différents, sur des clouds on-premise ou à l'extérieur, généralement des clouds géographiquement distribués. Donc on a un modèle où on fait des réplicas et on fait de la redondance et de la diversité. Okay? Donc la redondance, c'est le paramètre P, où on suppose qu'on a des instances de type réplica. Les instances réplica, en fait, ce sont des instances de fonctionnalité qui tournent et qui consomment du temps de mémoire et de temps machine. Et les backups sont là juste pour démarrer à chaud en cas de problème. Donc, si une partie de l'infrastructure est attaquée, on peut la déconnecter et on peut l'instancier ailleurs grâce à ces instances de réplica et grâce à ces instances de backup. Et donc, c'est ce modèle général N plus P qui permet d'atteindre cette résilience. Et on fait la diversité sélective, on fait de la gestion de la redondance, on fait de la sauvegarde en dehors du site, on gère les fonctionnalités qui sont avec état et sans état, stateful et stateless, afin donc d'optimiser tout le process et d'optimiser le service déployé. Voilà, donc j'espère que j'en ai perdu personne. Mais si j'enchaîne sur le troisième point, c'est le point de transfert de technologie. Donc, l'objectif pour nous était de développement de ressources d'entraînement à la cybersécurité. Donc, on développe cette plateforme de cyberentraînement. On a un partenaire aussi important avec nous, donc Beware Cyberlab, qui nous fournit dans le cadre de ce partenariat leur plateforme de cyberentraînement. Nous allons développer des nouveaux scénarios aussi bien avec le CATI dans le cadre de ce partenariat, tourné autour de nouveaux scénarios dans la plateforme de cyberentraînement que je rappelle. Ça permet de simuler des vrais environnements réseau, et on fait des exercices de type CTF, Capture the Flag, des CTF très connus dans le milieu du gaming. Et ça permet d'améliorer les connaissances théoriques et pratiques des participants. On peut avoir deux types d'équipes, hein, des red teams, ceux qui essayent de trouver des failles et de pénétrer dans le système, et des équipes de type blue team, red team et blue team, qui essayent de défendre et de faire de la défense. On peut avoir d'autres équipes aussi qui montent en compétence, qu'on appelle les purple team. Tout ceci déployé, bien sûr, dans nos infrastructures virtuelles.
Nous allons être acteurs dans la création de nouveaux scénarios et ça permet vraiment de rendre ces outils disponibles aux acteurs qui participent avec nous à la chaire et l'ouvrir au monde extérieur. Pareil dans le domaine du transfert, donc nous sommes en train de travailler sur l'ouverture d'une salle de gestion de crise afin de compléter la partie technique. Cette fois-ci, c'est la partie de gouvernance de risque et de gestion de crise. Ceci permet donc de comprendre comment anticiper les menaces qui pourraient frapper, comment caractériser les menaces, comment analyser les risques, comment dérouler les plans de continuité d'activité, de plans de maintien de conditions opérationnelles. Et cette salle, elle sera disponible à l'Insermatmeca, accessible aux acteurs, afin de faire de l'observation de l'humain, voir si la réaction de l'équipe de gestion, la réaction du directeur d'une entreprise, par exemple, face à la menace, et préparer l'équipe à faire face aussi bien dans la partie communication que dans la partie gestion de risque. Dans le quatrième volet, donc, on parle de conseil et d'expertise, mais c'est au-delà, hein, c'est aussi de la communication. Nous allons, dès la fin de l'année 2021 ou dès le début 2022, ouvrir un hackathon de type concours en cybersécurité, de type capture de flag, ouvert à l'ensemble des élèves et des étudiants du campus bordelais et au-delà. L'objectif pour nous, sur une journée, d'avoir un certain nombre d'équipes qui participent autour de notre plateforme de cyberentraînement à progresser dans la plateforme et essayer d'atteindre, de capturer les drapeaux, les flags, et voir est-ce que les élèves et les étudiants maîtrisent un peu les concepts fondamentaux enseignés et ceux qui sont curieux pour découvrir des nouvelles failles, découvrir des nouveaux chemins qui ne sont pas des chemins classiques pour atteindre une cible donnée et activer une action sur la cible. Ça, c'est un point important et c'est toujours dans le cadre de ce partenariat et ça sera déroulé sur la plateforme de Beware Cyberlab. Et ça, c'est la date, on va essayer de la déterminer dès que possible. Enfin, donc, on est là aussi, l'équipe de CHER appuie à la politique et la stratégie régionale. Olivier en a parlé, stratégie globale de la région Nouvelle-Aquitaine que je remercie. Je remercie l'ensemble des acteurs de la région avec leur feuille de route qui a donné un boost important au développement de la conscience cyber dans la région. La création future du campus cyber en témoigne de l'importance du sujet au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. On est là aussi pour aider les entreprises dans le cadre du transfert de technologies, dans le cadre de conseils aux entreprises et dans le cadre de ce développement économique pour assurer leur résilience, pourquoi pas les guider pour implémenter la résilience by design ou migrer vers la cyber-résilience. Voilà, donc je pense que j'en ai fini avec le projet scientifique. Je rappelle rapidement certains crédits utilisés dans la préparation de cette présentation que vous retrouvez sur les sources de ce projet. Merci beaucoup de votre attention et je suis prêt tout à l'heure dans la séquence des questions-réponses à reprendre la parole pour vous éclairer sur nos actions. À toi la parole, Adrien. Merci Toufik pour cette intervention que j'ai trouvée à la fois didactique, éclairante et synthétique. Voilà, je tiens à te rassurer, voilà, le public est toujours là. Et sur le chat, voilà, ça a suscité des questions, des commentaires. Je n'ai pas encore vu le chat. Je suis désolé, tu verras, il n'y a pas 10 points d'interrogation du type « je suis largué ». Mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça très limpide. Je pense qu'on a bien cerné les enjeux à venir, les challenges à relever. Voilà, et on aura l'occasion d'interagir tous ensemble tout à l'heure. Juste avant, un petit temps d'intervention la Fondation Bordeaux Université et des 5 mécènes. Et je vais donc demander à notre cher président Michel Dubarry, président de la Fondation Bordeaux Université, de bien vouloir nous rejoindre. Parler directement donc à travers le Zoom.
Oui, d'abord, je voulais vous remercier et puis remercier Adrien et tous les intervenants parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant. La cyber est un sujet extrêmement important et très important pour notre entreprise, pour mon entreprise Rolls-Royce. Vous savez que c'est l'entreprise qui produit des moteurs d'avion notamment. J'étais très intéressé par ce que disait Toufik là, sur le centre opérationnel que vous mettez en place, parce qu'on a un centre opérationnel qui contrôle l'ensemble des moteurs qui volent dans le monde en live. On a une expertise parce que, bien évidemment, on est sujet à des attaques cyber potentielles extrêmement importantes qui pourraient être très dangereuses. C'était pour moi un sujet très important. Et j'étais passionné par la présentation. Permettez-moi de dire quelques mots sur la Fondation. Nous, on est l'opérateur commun du mécénat pour le campus universitaire et hospitalier bordelais, pour les différentes écoles et institutions supérieures. Notre mission est de créer de la valeur partagée pour répondre aux enjeux sociétaux et aux défis industriels du territoire, en faisant appel au mécénat qui peut être couplé avec des sources de financement publiques. Concrètement, nous accompagnons les enseignants-chercheurs à la structuration de projets stratégiques soutenus par des entreprises. Et cette chaire de cyberdéfense est un excellent exemple. Grâce à l'excellence scientifique de nos universités et écoles, nous avons l'opportunité d'intervenir sur les secteurs de pointe, évidemment l'aéronautique, le spatial et la défense, la santé, la biotechnologie, la chimie, les matériaux, le tertiaire supérieur, le vin. Depuis la création de la Fondation, nous avons réussi à mobiliser 24 millions d'euros et je voudrais remercier l'équipe qui est absolument remarquable. Je remercie les gens qui les ont d'ailleurs remerciés parce que vraiment ils le méritent et qui a accompagné dans l'histoire des 10 ans de cette Fondation plus de 200 projets. Donc, c'est une fondation qui permet de cofinancer des projets et cette chaire est vraiment un bon exemple. Alors, je ne suis pas un expert de la cyber-résilience, mais vraiment, je suis très sensible à cette problématique en tant que motoriste, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour nous un sujet extrêmement important. On suit tous nos moteurs en live pour assurer une sécurité des vols, pour optimiser la maintenance de nos moteurs. Il est très important d'avoir cette vision qui anticipe sur des problèmes potentiels. Et évidemment, en faisant tout ça, on a une fragilité potentielle. Et donc, la cyberdéfense est très importante. J'aimerais maintenant remercier chaleureusement les 5 premier mécène de cette chaire, Sébastien Francillon, responsable du marché sud-ouest Advance, Bernard Roussely, qui est le cofondateur et CEO de Beware Cyber Labs, Bertrand Castagnier, qui est le directeur, le CATI, le Centre Aquitain des Technologies de l'Information et Électronique, Renaud Fell, qui est le cofondateur et président de Synactive, et Ingrid Stollner, de Tetris, qui est le Chief Marketing Officer. Donc, merci infiniment pour votre contribution qui est très importante. Je voudrais remercier également la région Nouvelle-Aquitaine qui a passé des messages tout à l'heure très forts, à la fois négatifs, mais également positifs, notamment le fait qu'on voit un nouvel intérêt de la part du plus haut niveau dans les entreprises. Mais négatif quand j'entends qu'une entreprise sur deux a été attaquée en Nouvelle-Aquitaine récemment. Et j'aimerais faire un appel auprès des autres entreprises qui sont présentes aujourd'hui pour leur demander de nous aider à participer, que ce soit dans le secteur de l'énergie, de l'aéronautique, de la santé, le secteur bancaire ou le tertiaire supérieur. Nous sommes tous très exposés à ces menaces et nous avons besoin de votre aide. Je viens d'apprendre ce matin par Adrien et Audrey qu'il y avait une nouvelle entreprise qui aujourd'hui avait décidé de participer et je voulais les remercier. Donc, merci beaucoup pour ce séminaire et bonne chance à cette chaire qui, je crois, est une pratique pour notre région. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour vos encouragements. On va, sans plus attendre, donner la parole donc, aux 5 mécènes que vous avez cités. Je vais demander donc à Sébastien Francillon, responsable du marché sud-ouest d'Advance, de nous dire quelques mots.
Bonjour à tous. Merci, vous m'entendez bien? Ok. Déjà, merci à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui pour ce lancement officiel. Merci aussi à l'ENSERB, à Toufik, avec qui on est en relation depuis de nombreux mois dans la construction et la réflexion de cette chaire. Merci à la Fondation et à Audrey également qui nous a bien accompagnés depuis le début dans le cadre de ces réflexions. Alors nous, on est très heureux de faire partie des mécènes en fait, de cette chaire. L'évidence s'est assez vite affichée pour nous, au sens où on pense qu'aujourd'hui, notre rôle de professionnel de la cybersécurité est de participer au développement des compétences en cyberdéfense pour l'ensemble des personnes qui s'y intéressent, puisque effectivement aujourd'hui le besoin en cybersécurité est particulièrement important. L'ANSSI, avec Olivier tout à l'heure, l'a rappelé, Toufik également, l'état de la menace augmente fortement et on fait face à une pénurie de ressources pour adresser l'ensemble des problématiques de cybersécurité aujourd'hui sur le marché. Donc très naturellement, ça nous a semblé évident de participer à la création de cette chaire, au sens où on va avec des partenaires de valeur, avec l'ENSERB qui est une institution nationalement ou même au-delà reconnue sur le marché. On va participer très concrètement à la formation, à l'acculturation, à la sensibilisation à la cybersécurité. Donc voilà, en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas Advance aujourd'hui, on est un des acteurs majeurs des services de cybersécurité en France. On emploie 300 collaborateurs partout en France, y compris à Bordeaux, où on a une vingtaine de collaborateurs qui interviennent auprès de clients locaux de la Nouvelle-Aquitaine. Nous, on intervient sur l'ensemble des problématiques de cybersécurité, que ce soit du conseil, des audits, de l'intégration, et aussi des services opérés de sécurité où on va mettre sous protection tout ou partie du système d'information d'un client en service managé pour qu'il soit protégé en 24/7 en continu par rapport aux menaces. Et donc par rapport à notre ancrage local, il nous semblait important de participer à la création et à l'animation de cette chaire. Très concrètement, ça va se traduire par du temps en mécénat de compétences qu'on va passer avec les personnes ici présentes au sein des comités scientifiques et pédagogiques, mais aussi dans le fait d'animer des modules de sécurité. Ils ont été présentés tout à l'heure par Toufik. Et en fait, le premier bloc sur toute la partie gouvernance, risque et conformité sera animé par nos experts, de même que le dernier bloc de modules sur les exercices de gestion de crise et de CTF, les captures de flags dont parlait Toufik tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir sollicités. On est ravis d'être avec vous. Et nous, notre objectif par cet engagement, c'est de rendre la cybersécurité accessible, positive, fun, et qu'elle inclue le plus grand nombre pour la meilleure défense possible. Merci. Merci beaucoup. Oui. J'ai décidément du mal avec ce micro. Merci beaucoup, Sébastien. Je retiens le terme fun. Je vais donner sans plus attendre la parole à Bernard Rousseli. Bernard, vous êtes cofondateur et CEO de Beware Cyber Labs. Bonjour, oui, tout à fait. J'ai la chance et le grand plaisir de diriger Beware que nous avons fondé avec des associés il y a maintenant 3 années, et nous sommes spécialisés en cybersécurité et vraiment très contents et très fiers d'être impliqués dans cette chaire parce que nous avons depuis toujours des relations proches avec les différents acteurs de cette chaire, en particulier donc l'ENSERB, mais aussi le CACI avec qui nous, et le LABRI, j'allais l'oublier, avec qui nous collaborons depuis déjà fort longtemps, plusieurs années. Et donc, il était naturel pour nous de rejoindre cette chaire avec nos collègues de l'écosystème bordelais et des autres entreprises. Donc, nous allons apporter, comme beaucoup d'autres, deux types de services, si on veut, dans cette chaire. Notre plateforme de formation et d'entraînement,
Hein, mon collègue d'Advance a bien expliqué, et Toufik l'avait dit auparavant, qu'il y avait une pénurie ou une tension assez forte en termes de ressources et d'expertise cyber en France, mais pas uniquement en France. Donc nous avons depuis déjà plusieurs années travaillé avec des solutions pour essayer de résoudre cette pénurie à notre modeste niveau, et nous avons développé une plateforme d'entraînement qui permet à des professionnels ou à des étudiants de se former à différentes techniques de défense ou d'attaque dans des environnements qui sont clos et donc en toute sécurité pour le reste de la planète a priori. Donc il était, comme je le disais, logique pour nous de rejoindre cette chaire, et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés jusque-là, qui ont œuvré pour la création de cette chaire, y compris la région et l'ANSSI, parce que nous savons tous en coulisses qu'il y a des forces qui s'activent pour œuvrer dans le bon sens, et l'ANSSI est évidemment une force motrice dans l'écosystème de la cybersécurité locale et nationale, évidemment. Et donc, il faut aussi remercier toutes ces personnes impliquées qui ne sont pas forcément au premier plan, mais qui travaillent pour améliorer les choses dans le domaine de la cybersécurité. Je ne vais pas revenir sur les événements récents, mais nous espérons, avec notre contribution, que nous aiderons à former d'autres spécialistes, d'autres experts, de l'INSERV évidemment, mais plus généralement de l'Université de Bordeaux, ou en tout cas de l'INP. Et j'espère que nous pourrons démarrer assez rapidement et mettre en place les différents sujets dont a parlé Toufik tout à l'heure, ou dont on a parlé en interne un peu auparavant. Et nous serons donc là pour aider tout l'écosystème local à atteindre les objectifs de cette chaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bernard, pour ce témoignage, pour votre engagement. Je vais demander à Bertrand Castagnier, qui dirige le CATI, de bien vouloir s'exprimer. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, Bertrand Castagnier, je dirige le CATI, comme vous venez de le dire. Donc, moi aussi, bien sûr, je suis absolument ravi de rejoindre cette initiative pour trois grandes raisons que je vais essayer d'expliquer dans quelques instants. Mais on a d'ailleurs très peu hésité avant de rejoindre cette chaire et de répondre positivement à la proposition que nous a faite Toufik et la Fondation. Et notre conseil d'administration n'a pas hésité très longtemps non plus à nous donner le feu vert pour le faire, d'autant plus qu'il y a des acteurs comme le Labri, comme l'IMS, comme plusieurs écoles de Bordeaux INP avec lesquelles on collabore de manière régulière, ou Bernard Roussely, comme Bernard Roussely l'a souligné, avec quelques entreprises qui sont aussi mécènes de cette initiative. Tout d'abord, je voudrais juste dire deux mots sur le CATI, parce que c'est peut-être pas un outil ou une structure qui est connue de beaucoup de personnes qui écoutent aujourd'hui. Donc nous sommes une structure associative, donc un centre de transfert technologique à but non lucratif, une structure assez jeune qui a été créée en 2014 et dont la mission principale est d'aider les entreprises, notamment les entreprises du territoire, les PME, ETI du territoire, à réaliser leur transformation numérique par l'intégration des technologies que le CATI maîtrise. Donc le CATI, c'est 50 collaborateurs aujourd'hui et une approche multidisciplinaire donc qui couvre le facteur humain et la cognition, donc un département dédié à ça, les data sciences bien sûr, avec l'IA en particulier au milieu de tout ça, et l'électronique embarquée qui est l'équipe qui va contribuer le plus à la chaire. Donc la première raison pour laquelle je suis ravi d'être ici, c'est que c'est l'urgence et l'importance de la cybersécurité dans le contexte de la transformation numérique. Alors, Olivier, Graal, Toufik l'ont parfaitement souligné, il y a urgence à s'attaquer collectivement à ces sujets. Donc la création de cette chaire est vraiment un point fort auquel on est ravi de contribuer. C'est aussi fléché comme une priorité de la région et CATI comme outil régional du réseau de soutien aux entreprises est ravi effectivement de contribuer à cela. La deuxième raison
qui me fait être ravi d'être ici, c'est le parfait alignement entre les objectifs de la chaire et ceux du CATI. Quand on parle de production de connaissances par des travaux de recherche à vocation applicative, quand on parle de développement de formation pour les étudiants ou pour des professionnels, quand on parle de créer un environnement favorable au transfert technologique, c'est forcément voilà, des sujets qui nous tiennent à cœur au CATI et y a un vrai alignement entre ces objectifs et les nôtres. La troisième et dernière raison, c'est l'opportunité que nous donne cette chaire d'amplifier notre action dans un domaine de la cybersécurité qui est encore peu adressé, la cybersécurité en embarqué. Donc l'Internet des objets est une opportunité formidable pour les entreprises hein, de développement économique, d'innovation. Elle connecte les objets au cloud de diverses manières, elle ramène de l'intelligence au niveau des objets, mais du coup elle devient aussi une surface d'attaque nouvelle pour toutes les cyberattaques. Donc notre département système cyberphysique du CATI, au travers de la plateforme Citron qu'on a développée, travaille sur ces problématiques, et au travers de la chaire, on va avoir l'opportunité voilà, d'en faire des outils de formation, de compléter la plateforme d'entraînement par ces moyens-là. Voilà, donc plein de bonnes raisons d'être heureux d'être ici. Et c'est le début d'une aventure qui, je pense, sera utile aux acteurs qui sont autour de la table, mais surtout à la Nouvelle-Aquitaine et aux acteurs de Nouvelle-Aquitaine pour mieux répondre à ces menaces de cybersécurité qui se font de plus en plus présentes. Merci beaucoup Bertrand, et comme vous l'avez dit, l'objectif c'est de faire avancer la problématique au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et pourquoi pas la partager à une plus large échelle. Voilà, je vais sans plus attendre passer la parole à Renaud Fayle. Renaud Fayle, vous êtes cofondateur et président de Synactive. Exactement. Ben, merci tout d'abord pour votre accueil. Hein. Merci, je suis vraiment très content d'être à vos côtés. Et merci à Audrey et Toufik qui ont fait les premiers pas pour nous joindre. Et donc, c'est vraiment un honneur pour Synactive hein, de pouvoir être à côté de tous ces partenaires prestigieux sur cette chaire. Donc, Synactive, en quelques mots, c'est une société d'expertise. On est plus spécialement orienté sur ce qu'on appelle, nous, la sécurité offensive. Donc, c'est effectivement l'expertise des attaquants, mais mise au service des défenseurs. Donc, à ce titre-là, on fait des tests d'intrusion, des audits de sécurité, des audits de code source, de l'ingénierie inverse. On essaie de trouver un maximum de vulnérabilités dans vos systèmes, dans vos produits, et on vous prévient avant, bien sûr, qu'ils soient exploités de manière malveillante. Petite nouveauté quand même, dont je peux quand même déjà commencer à vous parler, on va lancer une activité, enfin on va renforcer et créer un pôle dédié à tout ce qui est réponse à incidents. Car malheureusement, il semble qu'on ne fasse pas assez bien notre travail et qu'on n'arrive pas à trouver toutes les vulnérabilités avant que les méchants l'exploitent. Vous le savez, vous en avez parlé à plusieurs reprises, il y a de plus en plus de compromissions. Et là où on essayait d'agir en prévention, en amont de tous les problèmes, et ben, on arrive très souvent trop tard. Donc voilà, on voit qu'effectivement, il y a aussi une activité réponse à incident qui se développe. Ensuite, pourquoi être là ? Nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'était vraiment l'aspect formation. On a eu la chance dans nos équipes, d'ailleurs très tôt, hein, y compris sur des piliers de l'équipe, d'avoir des gens qui venaient de l'Université de Bordeaux, qui venaient de l'ENSERB Matmeca, etc. C'est encore des gens qui, chez nous, sont vraiment des piliers techniques. Et c'est une façon pour nous de remercier un peu tous les gens qui ont pu participer de près ou de loin à leur formation, à garder leur passion pour la cybersécurité, à développer leurs compétences, à les mettre dans un état d'esprit positif. Et voilà, on a un peu envie de rendre tout ça à la communauté, aux jeunes et aux moins jeunes. Parce que clairement, encore aujourd'hui, c'est peut-être il y a peut-être des fois un problème de moyens, mais je pense que c'est pas qu'un problème de moyens. Il y a encore un gros effort à faire sur la formation, la compétence de tout le monde. Et on le voit... savoir exactement ce qu'on fait et comment bloquer les attaquants rapidement et de manière efficace, c'est un enjeu qui
qui restera d'actualité, qui sera de l'avenir. Malheureusement, toutes les promesses autour de l'intelligence artificielle sont encore très loin de remplacer un ingénieur bien formé à son métier pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc voilà, on va vraiment faire notre maximum pour accompagner Toufik et puis les autres membres de la chaire à la création d'un corpus de formation concret, pragmatique, et qui permettra vraiment aux gens de savoir comment est-ce qu'on attaque et comment est-ce qu'on se défend. Et je vous remercie tous encore pour votre attention. Merci beaucoup, Renaud. Alors, pour clôturer ce tour de table des mécènes, last but not least, comme on dit en anglais, je vais inviter Ingrid Solner, qui représente l'entreprise Tetris, en qualité de Chief Marketing Officer, Exco Member. La parole est à vous, Ingrid. Bonjour à tous. Un grand merci pour toute cette organisation. Ça fait vraiment plaisir de voir la concrétisation de la chaire dont on parle depuis déjà quelques mois. Je vais rapidement présenter Tetris. Tetris, c'est une entreprise basée à Pessac, créée en 2010 par Laurent Houdeau et Elena Poincé. Laurent Houdeau est un diplômé de l'ENSERB Mapmeca il y a quelques années. Et donc, entreprise vraiment ancrée dans le tissu local et vraiment ancrée dans tout ce que vous êtes en train de monter et ce que l'on est d'ailleurs en train de monter ensemble avec la chaire. Donc, notre présence à vos côtés et en tant que moteur de la chaire, pour nous, c'était une évidence. Voilà, on est partenaire de l'ENSERB et donc, par extension, de toute la famille Bordeaux Université depuis des années. Laurent Houdeau, en 1999, avait créé la filière sécurité informatique à l'époque à l'ENSERB Mapmeca, donc ça date déjà un peu. Néanmoins, c'était précurseur. Et surtout, depuis, nous sommes partenaires. Depuis, nous animons des cours avec Toufik, notamment, pour les élèves. Et force est de constater que ces formations que vous délivrez avec l'ENSERB et avec Bordeaux Université sont des formations d'excellence. Nous avons aussi dans nos équipes quelques collaborateurs qui viennent des classes, on va dire des classes de Toufik et de l'ENSERB. Et nous constatons tous les jours l'excellence de la formation et aussi les valeurs humaines des collaborateurs qui sortent de ces formations. Il y a l'excellence. Et il y a aussi tout l'aspect éthique et l'engagement dont font preuve ces collaborateurs. Donc, nous sommes extrêmement fiers de soutenir la chaire, de faire partie des mécènes et d'accompagner la formation des compétences en cybersécurité pour le bassin bordelais, on va dire, et aussi pour la France, parce qu'il y a un énorme besoin. On en a beaucoup parlé en amont, je ne vais pas me répéter. Voilà, donc l'ENSERB et du coup tout Bordeaux Université et Tetris, c'est une histoire qui dure, c'est une histoire qui date et c'est une histoire qui va continuer. En 2016 aussi, on a lancé ensemble la conférence Aquitaine, on a fait la 6e édition il y a une quinzaine de jours. C'est à chaque fois un franc succès et ça contribue aussi à démocratiser, à expliquer, à apporter de la pédagogie sur la cybersécurité. Donc voilà, nous sommes fiers, ravis, engagés et c'est parti. Merci beaucoup Ingrid pour ces quelques mots et voilà, on est ravis effectivement voilà, qu'il y ait ce continuum entre les étudiants qui sont formés par la filière Bordeaux Université et qui intègrent vos différentes entreprises et que ces mêmes entreprises soutiennent par la suite les écoles. Voilà, c'est précisément ce qu'on cherche à mobiliser et on espère que voilà, il y a de nombreux étudiants qui sont connectés avec nous ce soir pour qui peut-être voilà, une nouvelle vocation va se préciser. Voilà, en tout cas, on les invite aussi à participer au temps de questions-réponses que nous allons justement ouvrir dès à présent. Donc, on est plutôt bien dans les temps. On va dire qu'on a une petite douzaine de minutes pour lancer, peut-être revenir sur les commentaires, les questions qu'on a vues sur le chat. Ensuite, vous donner la parole directement. Hein, c'est
L'idée de ce Zoom, c'était aussi voilà, d'avoir un Zoom qui soit le plus ouvert possible pour favoriser les interactions le plus directes possible, même si effectivement on est tous derrière nos écrans. Voilà. Et en tant que gardien du temps, vers 17h45, je dirais, je me permettrai d'arrêter le temps de questions-réponses parce que nous aurons une dernière intervention du représentant du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui connaît bien le sujet, puisqu'il est directeur de la délégation numérique, Yann Pennec. Voilà, mais sans plus attendre, on va aller voir un petit peu les différentes réactions qui étaient sur le chat. Voilà, je vais aussi enlever le partage, ça sera voilà, un peu plus convivial. Alors, il y a eu, je dirais, en réaction à la présentation d'Oufik, je dirais des questions, parfois des commentaires, voilà, que je vais vous lire. Et évidemment, ben, la personne concernée, qu'elle n'hésite pas à réagir. Et après, ben, j'invite Toufik, mais également tous les intervenants à réagir aux commentaires, aux questions posées. Il y en avait une première, en réaction au thème des surfaces d'attaque, j'aborde un sujet ouvert à discussion. Je pense sincèrement qu'il y a une vision d'Internet à revoir. Pour moi, et sans retourner à l'âge de pierre, restreindre les accès à Internet réduirait déjà grandement la surface d'attaque. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est souhaitable, selon vous? Je peux intervenir. Hein. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas de restreindre la surface d'attaque, mais plutôt de repenser la surface d'attaque, qui est plutôt statique actuellement et qui laisse tout le temps à l'attaquant de découvrir, de chercher, de voilà. Il s'agit peut-être de trouver un nouveau moyen de rendre cette surface d'attaque plutôt dynamique, imprévisible dans le temps et mouvante, comme du sable mouvant et difficile à y accéder. Et je crois vraiment au modèle que j'ai cité tout à l'heure, hein, le modèle de Zero Trust, où on sera capable de contrôler tout ce qui rentre, qui sort, contrôler les équipements, les devices, contrôler les accès, et ça permet vraiment déjà d'avoir une première couche de sécurisation avant bien sûr, le risque zéro n'existe pas, hein, malgré comme je l'ai dit, le château fort, malgré la muraille, etc., il reste toujours des problèmes, et il faut penser la résilience, c'est le plus important. Et la résilience, c'est un tout, ça conjugue tout. C'est ça la puissance de ce qu'on essaye de développer. Très bien. Finalement, enfin, si je traduis les choses avec mon propre langage de non-scientifique, l'idée, c'est un peu de s'inspirer des attaquants, essayer de faire en sorte d'être aussi agile que les attaquants, c'est-à-dire difficilement identifiable, très mobile, très agile. C'est un peu ça ce que vous cherchez à mettre en place? Ouais, exactement. Sur la surface d'attaque, c'est plutôt ça. C'est comprendre déjà ce qu'on essaie de faire, c'est comprendre l'autre, comment il active, et essayer donc de s'inspirer de l'attaquant pour se protéger efficacement. Donc, je profite de cette parole pour aussi remercier, je ne l'ai pas assez fait, l'équipe qui m'accompagne, hein, donc Denis Bartou, qui est directeur au département informatique, Francine Krief au département télécom, Mohamed Mospa qui m'accompagne aussi depuis le début de ce projet, et Laurent Réveillère, ancien de l'Informatica, qui est actuellement donc professeur à l'Université de Bordeaux. Je les remercie énormément dans l'accompagnement de montage de ce projet. Et donc, ils peuvent aussi répondre à vos questions avec moi. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Absolument. N'hésitez pas, Laurent, Denis, Mohamed, à réagir. Alors là, on était plutôt sur le... Pardon. Oui, oui. Alors, j'ai vu les... Pardon. C'est Mohamed, moi, c'est pas, donc, le professeur... et j'ai accompagné Toufik, que je remercie parce qu'il a monté ce projet. D'abord, je profite pour remercier tous les mécènes et aussi la direction de l'Informatica, la direction de l'UNP et de la direction du Labri. Je pense qu'on a la chance de travailler en circuit court, hein, d'encourager l'émergence, hein, parce que tout ça est venu d'une... On va dire c'est une idée de Toufik. On a la chance d'avoir un écosystème déjà plus ou moins riche sur ces thématiques.
Donc on en a profité pour lancer un projet qu'on souhaite ambitieux. Alors c'est évidemment pas forcément, on espère, pas forcément la seule initiative. On est bien conscient qu'il s'agit d'un sujet sensible, un sujet pas uniquement technique, mais un sujet de société. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de former des pointures, ou en tout cas des experts, ou des hauts profils en cybersécurité. Mais peut-être, et je participe à des réflexions sur ce sujet avec d'autres, y compris dans le cadre de conférences nationales et internationales, on s'oriente vers une réflexion commune qui intègre ces questions de cybersécurité, non seulement sur des aspects techniques pour des formations ultra spécialisées, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on compile. On va peut-être l'enseigner comme on enseignait les autres matières, comme on enseignait les maths, à toutes les formations, parce qu'il y a une culturation, parce que c'est un sujet compliqué, parce que... Alors, j'ai aussi la responsabilité du vice-président numérique du Bordeaux UNP, donc je suis client, hein, je le vois de l'autre côté, on est attaqué aussi comme tout le monde. Et les attaquants utilisent tous les moyens, et je pense que cette sphère ne va pas évidemment donner une réponse universelle. Je vois les questions sur les chats, tout ce qui a été posé, ce sont des questions pertinentes. Mais au l'abri, comme l'a dit Xavier Blanc, directeur du laboratoire tout à l'heure, on essaye de faire émerger un axe ou une réflexion qui est transversale sur plusieurs départements, donc plusieurs équipes, parce que ça fait appel à plusieurs compétences. Alors il y a l'intelligence artificielle, les réseaux, la programmation. Et pour une question qui a été posée sur les attaques, si on automatise, est-ce qu'on fait attention aux nouvelles attaques? Alors justement, on a des travaux sur ces questions-là, en analysant les comportements. Alors quand je dis comportements, c'est comportement des devices, comportement des utilisateurs, et en utilisant des techniques d'IA, d'intelligence artificielle, on essaye de voir. Dès que le comportement est anormal, on essaie de le détecter assez tôt. Donc, on arrive même à détecter des attaques qui ne sont pas encore identifiées par les antivirus dans les bases d'antivirus. Donc, ce sont des travaux, évidemment, de recherche. Et sur la question, est-ce qu'on peut attaquer les données et les algos eux-mêmes? Oui, bien sûr, c'est une question pertinente et ça fait partie du... Ouais, je pense que c'est une thèse, je ne sais plus si c'est Laurent ou Tufik ou les deux qui ont des travaux dessus. Ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit. Alors, pour conclure mon intervention, j'espère que ce projet prend de l'ampleur, va concerner sans doute tous les collaborateurs, pas uniquement les collaborateurs cybersécurité, même si l'objectif dans un premier temps c'est de former en cybersécurité. C'est une thématique, peut-être dans quelques années on ne parle plus de cybersécurité parce que ça fait partie de la culture de tout le monde. Et je pense qu'on ne va pas en échapper, comme l'a rappelé l'intervenant de l'ANSSI. Les attaques sont tellement efficaces et des fois tellement tordues que... Alors, les firewalls ne sont plus suffisants maintenant. On essaie de combiner. Alors, sur les systèmes embarqués, on travaille de plus en plus sur des combinaisons entre firewall et IDS. IDS, c'est la détection d'intrusion. Les firewalls ne sont plus suffisants, hein. C'est pas parce qu'on a l'adresse de départ et d'arrivée que le contenu n'est pas vulnérable. Donc il faut analyser les contenus par des techniques DDS, il y a cette convergence. Et donc tout ça pose des verrous, pose des questions de recherche dans lesquelles l'API, l'IMS et l'IMB, on a pas mal de travaux dessus. Merci Mohamed. Alors, on peut peut-être continuer à dérouler le fil du chat, ou alors, voilà, je ne sais pas, on a écouté un certain nombre d'experts, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des entreprises ou des étudiants qui auraient des questions à poser? Et évidemment, il y a pas de questions bêtes. Voilà, avant peut-être de revenir sur le chat, est-ce que, il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole
de dire oui, mais votre truc là, je ne sais pas comment l'appliquer dans mon contexte à moi. J'aurais besoin d'un niveau d'information un petit peu plus, qui me soit un peu plus accessible. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à ouvrir les micros, les caméras pour vous exprimer en direct. Ils sont timides. Eh oui, il faut se lancer, il faut se lancer. Bon, ben c'est pas grave. Alors, en attendant, on a vu, oui, qu'il y avait eu beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle. Et on vous invite à vous abonner au newsletter de Bordeaux INP, de l'Université de Bordeaux, de la Fondation, parce qu'on aura prochainement le plaisir de vous annoncer une nouvelle chaire. Voilà, en lien avec le sujet. Je n'en dis pas plus. Voilà, écoutez, je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent intervenir, experts ou non experts, avant que je donne la parole. Oui. J'ai une question, Michel Dubarry à l'appareil. Je me posais la question si quelles étaient les relations qu'on pouvait avoir avec d'autres universités européennes, par exemple. Et est-ce qu'on a imaginé une sorte de benchmarking pour essayer de se comparer, parce que finalement tout le monde a les mêmes problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de voir ce qui se passe dans d'autres universités et essayer d'imaginer, peut-être pas tout de suite, mais dans l'avenir, des coopérations internationales? Très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la dimension européenne. Alors, je ne sais pas, Toufik, Mohamed, Denis, Laurent, je crois savoir que vous êtes assez connectés sur les projets européens, mais qu'en est-il de la cyber-résilience? Est-ce que c'est un sujet avec lequel vous parlez avec vos partenaires européens? Effectivement, on commence à voir arriver ce sujet, donc développement de la cyber-résilience. En France, il y a un certain nombre de chaires qui existent, donc on a fait un benchmarking global des initiatives lancées en France, et nous vraiment on est positionné sur un secteur autre que celui qui a été déjà traité. Malgré cela, il peut y avoir des synergies possibles qu'on peut créer et qu'on peut trouver, notamment avec nos amis en Bretagne qui sont un peu plus avancés sur le sujet par rapport à nous. Il y a aussi des initiatives de connexion des plateformes de type de Cyberinge. Ça, c'est des demandes qu'on a eues de la part, par exemple, de Technalia, que je salue. Donc, j'ai vu Guy Flamand connecté tout à l'heure, que je remercie. D'ailleurs, je profite pour dire qu'il y a une discussion importante pour démarrer une thèse avec Technalia sur ses activités. Donc, je remercie énormément ces acteurs. Donc, il confirme, pardon Toufik, ouais. Je disais qu'il y a un message sur le chat. Voilà, il confirme que le sujet est intéressant aussi bien pour l'Espagne, pour essayer de trouver donc une interconnexion des plateformes et avoir des scénarios d'entraînement global pour vraiment simuler une infrastructure distribuée dans laquelle on a des attaquants distribués et des défenseurs distribués aussi. C'est c'est un sujet sur lequel on y travaille. Oui, Toufik, pour compléter, on a des connexions, comme tu l'as dit, avec IMT Atlantique, avec Télécom Bretagne, Dex Télécom Bretagne et Télécom Paris également, hein, sur ces questions-là, avec l'Université de Padoue en Italie, et avec des universités allemandes, alors chacun dans des spécialités diverses et variées. Mais c'est vrai que sur ces questions de cyber-résilience, je pense qu'on fait partie un peu des premiers à identifier, en tout cas à l'identifier comme un objectif, hein, la cyber-résilience. C'est peut-être un des premiers travaux, mais il est lié à un certain nombre de collaborations académiques européennes dans l'Université de Padoue et IMT Atlantique et Technalia en particulier. Très bien. Peut-être Laurent et Xavier, est-ce que vous avez d'autres connexions, sans doute? Laurent, ton micro, on n'entend pas. Oui. Voilà, là, ça va être mieux. Parfait. J'ai deux boutons pour activer le son. Donc, comme le disait Toufik et comme l'a précisé Mohamed, de par nos activités de recherche, on a des connexions à l'international, que ce soit dans le cadre de collaborations directes avec
d'autres laboratoires ou dans le cadre de projets de recherche collaboratif via l'Europe. Moi, j'ai des connexions avec la Suisse, avec la Belgique sur ces aspects de sécurité, de cybersécurité, notamment, pour citer qu'eux. Voilà, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours. Pour faire écho, comme j'ai la parole, pour faire écho un petit peu à une question qui était posée tout à l'heure sur l'IA, j'ai pas réagi, mais je vais réagir. Je crois que voilà, l'IA, c'est pas le mot magique qui va sauver tous les problèmes. Dans le monde de la cyber-résilience, de la cybersécurité, c'est toujours un peu le chat et la souris. Donc, en fait, il y a des techniques qui permettent de se protéger, et puis l'autre côté, hein, ceux qui essayent d'attaquer, ils sont aussi très imaginatifs. Et donc le data poisoning, par exemple, c'était une des questions qui avait été posée dans le chat. C'est des sujets sur lesquels on travaille effectivement au Labri pour proposer des techniques qui permettent de se protéger de ces attaques-là qui vont embêter... embêter les techniques d'apprentissage. Donc, ce qu'il le faut, c'est qu'on mette tous collectivement notre énergie pour avoir une longueur d'avance sur les attaquants qui, comme ça a été précisé par l'intervention de Nancy, sont très imaginatifs. Donc, soyons encore plus imaginatifs qu'eux. Merci, Laurent. Je ne sais pas, Denis, pour compléter juste Adrien, parce que je l'avais dit tout à l'heure, mais pour compléter, soyons imaginatifs et formons nos étudiants, donc les spécialistes de demain, et commençons le plus tôt possible. Donc moi, je suis aussi responsable de la licence à l'Université de Bordeaux, donc ces thématiques sont déjà abordé et j'interviens aussi dans la formation des professeurs de lycée pour la mise en place de la nouvelle spécialité numérique et sciences informatiques au lycée qui a été créée il y a 2 ans. Et dans ce programme de première et de terminale, il y a un aspect sur la sécurité informatique. Donc dès le lycée maintenant, on sensibilise les élèves sur ces problématiques de sécurité et c'est à nous de faire en sorte de les sensibiliser encore plus dans le cadre de leurs études et de proposer des formations adaptées qui permettent de monter en compétences et d'avoir des experts sur ce sujet de cyber-résilience. Voilà. Adrien, je te redonne la parole. Merci Laurent. Écoutez, je vois qu'il est déjà 17h50. Je vous propose d'inviter Yann Pennec, qui donc représente la région Nouvelle-Aquitaine et qui va nous dire quelques mots sur l'état d'avancement de la feuille de route cybersécurité de la région. Voilà, Yann Pennec, vous êtes directeur de la délégation numérique donc à la région. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous. On vous écoute. Merci beaucoup Adrien. Effectivement, nos élus sont relativement pris cette semaine, bizarrement. Enfin, pourquoi ? Voilà. Mais toujours est-il que, peu importe leur bord politique, la feuille de route cybersécurité a été adoptée à l'unanimité en juillet dernier. Alors, pourquoi une feuille de route ? Concrètement, on est, nous, région Nouvelle-Aquitaine, fait pour permettre le développement économique des acteurs. Et concrètement, avec la cybersécurité, on a à la fois le volet filière des entreprises de la cyber, qui est forte pourvoyeuse d'emplois à l'avenir, que ce soit dans les entreprises de la filière numérique, mais dans l'ensemble des entreprises aussi. Donc, il y a un vrai enjeu de compétences de la filière numérique dans le domaine pour le territoire, mais il y a aussi la protection de l'ensemble des autres acteurs. Et la protection de l'ensemble des autres acteurs, ils sont à la fois privés, on a pu en parler, mais ils sont aussi publics, et Olivier en a parlé aussi précédemment. Et concrètement, l'enjeu, au-delà des chiffres de l'explosion du nombre d'attaques, l'enjeu est considérable, à la fois... on peut les traduire en montant financier,
mais aussi peut-être, hélas, sur des enjeux encore plus graves. Nous, concrètement, on est dans une logique de favoriser la collaboration des différents acteurs, de jouer notre rôle à un moment donné là où on aura le plus d'effet de levier. Mais concrètement, cette chaire, la région, voilà, elle n'est pas mécène directe comme peuvent l'être les entreprises que je salue vraiment vivement dans cette initiative, parce qu'elle est vraiment fondatrice pour l'avenir. La feuille de route, elle a plusieurs dimensions. Elle a certes cette dimension de fédération des initiatives régionales, et on est bien dans une logique où la région soutient des initiatives qui peuvent être prises à Niort, par exemple, avec l'Institut des risques assurantiels, mais aussi des projets naissants à Limoges. Olivier, tu étais à Agen, tu les as donc entendus, l'écosystème local, mesurer aussi l'importance pour leurs entreprises, notamment de la filière agroalimentaire, de mieux appréhender le risque et s'y préparer et de manière un peu plus importante. Donc on a une logique de cartographie de l'ensemble des acteurs, à la fois privés et publics, qui peuvent rendre des services à la fois aux acteurs publics et privés du territoire, et de valorisation en fait des compétences des uns et des autres. Nous, région, on inscrit notre action au regard de ce que peut faire l'ANSSI, typiquement sur les cibles que sont les OIV, OSE. La région n'a pas à intervenir sur ce type de cible-là. Et également, Région de France, l'Association des régions, signe une convention avec le GIP Cybermalveillance, qui a aussi une action de sensibilisation, accompagnement, mais peut-être des plus petits acteurs, ou en tout cas plus dans une logique de sensibilisation. Nous, notre cible, c'est typiquement la grosse PME, l'ETI, la petite collectivité, de façon à apporter un service de proximité et pouvoir mettre en relation le bon interlocuteur aussi privé à proximité dans un temps le plus restreint, de façon à qualifier l'incident, l'orienter et potentiellement le suivre et nourrir une base partagée avec l'ensemble des acteurs à l'échelon national, voire international. On parlait de l'Espagne tout à l'heure, effectivement, il y a des acteurs espagnols avec lesquels il y a des intérêts partagés à collaborer dans cette logique de protection mutualisée des acteurs de nos territoires. Concrètement, dans l'avancée de cette feuille de route, qui comprend donc la fédération des acteurs, mais aussi le volet sensibilisation et formation, et une dimension accompagnement de l'innovation, je vais juste pointer quelques actions clés et puis peut-être le projet qui va nous animer ces prochaines semaines. Typiquement sur la sensibilisation, le contexte a fait que on a moins besoin d'argumenter pour démontrer le besoin de saisir l'opportunité d'eux. Non, c'est plus une saisie d'opportunité d'eux, c'est pour ta survie, tu as intérêt à. Et je pense que les uns et les autres ont compris cette logique-là. Et donc, on est dans une logique en partenariat, notamment avec l'agence régionale ADI, l'ANSSI, Cybermalveillance, et les uns et les autres, en fait, parce qu'on est finalement qu'en réponse aux besoins que les uns et les autres ont exprimés au cours de la construction de la feuille de route. Et je salue d'ailleurs Pascal Fouillat, qui travaille à la région, qui a vraiment été l'acteur majeur de la relation des uns et des autres et constitué la vingtaine d'actions vraiment, vraiment clés. Il y a cette volonté de produire du service. Produire du service dans une logique de réponse aux besoins locaux tout en n'allant pas sur le marché privé. On est bien dans cette logique d'intérêt partagé, de meilleure orientation vers les uns et les autres. Il y a une action clé qui est en cours, qui est l'accompagnement de 57, 58, on verra au terme de l'action, grosses PME, dans un diagnostic flash de leur risque cyber et des principales actions qu'ils peuvent mettre en route dans la continuité de ces vraiment quelques heures, quelques jours d'intervention de spécialistes en la matière.
Mais je pense que ça s'inscrit dans la durée, ce type de soutien. Là, on est vraiment dans le cadre d'un marché public et d'une prise en charge à 100% par la région. Mais on va prolonger très probablement ce type d'action dans la mesure où on se rend compte, enfin vous le savez, vous êtes des spécialistes, donc le sujet ne se pose pas, mais de l'écart, de l'éloignement, du travail, de la marge de progression, on va dire, des uns et des autres, et y compris des belles entreprises, pour mieux appréhender le risque globalement. Et pas seulement technologique, hein. Il y a beaucoup d'humains dans tout ça, et de formation des salariés, et d'acculturation et d'accompagnement. Concrètement, je pense qu'on a cette mission-là de formation, sensibilisation, accompagnement. On a cette mission de soutien de l'innovation, à la fois des centres de transfert comme le TAC, comme le CATI, pardon, qui s'investit sur cette dynamique-là, ça nous semble très bien. Parfait. L'INSERB, avec cette chaire, remplit tout à fait sa mission qu'elle avait déjà prise depuis bien longtemps, mais on est aussi vis-à-vis d'autres acteurs de la formation sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'incorporation de modules, l'incorporation de contenu, de formation cyber dans les troncs communs. Et on est obligé de pousser un peu à ça aussi aujourd'hui. Il y a aussi des participations de la région dans le fonds d'investissement ACE Management, où concrètement la région contribue aussi au soutien dans une logique de capital risque au développement des entreprises qui créent des emplois sur le territoire. Aujourd'hui, ce qui nous anime plus particulièrement dans les prochaines semaines, c'est un lien étroit avec l'Agence nationale d'ANSSI sur la construction d'un centre de réponse à incidents régional. Donc, c'est un appel à projet national qui propose une réponse par région. Et concrètement, ce CESIRT, il s'inscrit pleinement dans l'ambition 1 de la feuille de route, qui est la construction d'un campus cyber qui aurait du coup cette brique de réception des incidents locaux, qualification de ces incidents, la mise en relation avec le bon interlocuteur, soit au niveau national, soit au niveau de la gendarmerie, soit de la police, et aussi d'être un poisson pilote pour l'ensemble des victimes qui ne savent jamais, en fait, quand ça leur arrive sur le coin du nez, quelle est la marche à suivre, et sont en panique totale. Et d'être centre de ressources justement sur ce type d'incident, être en relation dans ce cadre-là avec le CESIRT France dans une logique d'écosystème local et mise en relation avec les prestataires qualifiés pour répondre aux incidents des uns et des autres en fonction de leur nature. Et associé à ça, une dimension recherche, une dimension transfert de technologie, une dimension projet collaboratif, avec une articulation entre ce campus cyber régional avec les centres régionaux territoriaux dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit à Niort, Limoges, Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan aussi, qui a un accord entre notamment l'armée, l'agglomération, l'université de Pau. Donc, on voit bien que, certes, la menace explose, mais il y a aussi une dynamique des différents acteurs qui, de mon point de vue, est possible parce qu'il y a une réelle confiance qui a été acquise entre les uns et les autres, entre vous concrètement, il y a la proximité géographique, mais la connaissance et le travail qui, au fur et à mesure, permet de se faire confiance et d'avancer conjointement, chacun dans son domaine et dans une logique de complémentarité. Donc, on avance petit à petit, mais moi, je suis ravi d'essayer de pousser, du coup, l'écosystème régional à un niveau national et européen, parce qu'il y a des vraies expertises, parce qu'il y a une vraie attractivité du territoire. Et concrètement, l'attractivité du territoire, elle se fait aussi par la formation de compétences pointues. Et c'est concrètement pas forcément que dans le domaine de la cyber, mais dans le numérique, c'est souvent les premières questions qu'on a des entreprises qui cherchent à s'implanter ou qui s'interrogent sur Nantes, Lyon,
Bordeaux, Pau. Concrètement, quel est le système de production de talents local et quel niveau a-t-il, etc. Et c'est vrai qu'avec l'ENSERB, on a, et le Labri et l'INRIA, on a un écosystème qui est vraiment intéressant et qu'il faut trouver le moyen de booster. Et cette chaire-là et la participation des différentes entreprises est vraiment un gage de qualité, très concrètement. Donc, on est ravis de la participation, même des entreprises qui ne sont pas sur le territoire. On salue d'ailleurs vivement parce qu'on aura certainement l'occasion la prochaine fois. Mais je pense qu'ils sont sur le territoire aussi. Hein. On voit M. Fabry trinquer, et ben je les saluerai volontiers. On tenait à vous remercier pour cet état d'avancement de cette feuille de route qui sont avec des actions qui sont de nature très variée et on mesure bien effectivement les différentes actions que vous pouvez mener auprès du campus, mais aussi très concrètement auprès des entreprises sur les diagnostics, sur leur capitalisation. Et merci en tout cas de nous avoir partagé tout ça. C'est surtout les actions de la région, mais c'est surtout les autres acteurs finalement qui mettent en œuvre, qui font concrètement quand la région soutient un stand régional au Forum international de la cybersécurité là, qui aura lieu à Lille en septembre. Après, c'est ADI qui, pour le coup, pour cette action-là, est vraiment à la manœuvre pour emmener neuf entreprises qui exposeront là-bas. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est pouvoir s'appuyer sur les uns et les autres dans leur domaine. Pour mettre en place les différentes actions. Et ce sont des actions qui sont souvent le fruit d'idées de l'écosystème et pas forcément... Et nous, notre travail, en fait, c'est d'être à votre écoute et de traduire cette demande auprès de nos élus. Il est déjà presque 18h10. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, hein, Yann. Et donc, je tenais à remercier tous les participants pour être restés pour la très grande majorité jusqu'au bout de cette visioconférence. Pour tous les autres qui ont manqué cet événement ou pour ceux qui souhaitent le revivre, on vous partagera le plus rapidement possible un replay. Je tenais à remercier l'ensemble des intervenants que je ne vais pas avoir le temps de citer là par manque de temps, mais merci pour vos prises de parole passionnantes, percutantes, synthétiques. Je relance un appel aux entreprises qui n'ont pas encore rejoint la chaire à se manifester et je vous invite à contacter directement Audrey Barada qui est notre fundraiser. On vous mettra son contact dans le mailing de remerciement. Et enfin, je vais un petit peu plus loin. On a fait la demande, quelques demandes appuyées sur le teasing de la prochaine chaire à venir et qui impliquera évidemment l'Université de Bordeaux et Bordeaux INP. Je crois que son coordinateur a suivi l'événement. C'est la chaire intelligence artificielle digne de confiance. Et donc, vous voyez qu'avec le terme digne de confiance, on touche au sujet du rapport entre les hommes et les différents systèmes d'intelligence artificielle, avec l'idée de mener des activités de recherche, de formation, de transfert, pour faire en sorte de garantir la fiabilité des systèmes en conciliant l'efficacité des systèmes actuels pour les rendre plus performants, certes, mais aussi garantir leur bon fonctionnement et faire en sorte que les utilisateurs puissent pleinement accorder leur confiance. Voilà, et donc on vous invite à vous abonner à nos newsletters si ce n'est pas encore fait, puisqu'on vous en parlera très prochainement, comme on vous parlera très prochainement des futures activités de la chaire Cyber Résilience des infrastructures numériques. Merci beaucoup, merci à tous. Au plaisir de vous revoir peut-être en présentiel dans un événement anniversaire de cette chaire. Merci, Toufi. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.